voici pour une mini vidéo des nouveautés de la boutique. Parmi tout ce qui vient d'arriver, il y a des petites choses que je ne vous ai pas encore montrées, mais qui sont sur le site. Donc, j'ai reçu de la marque Bichabi leur dernière collection de papier qui s'appelle Harmonie. Donc, je vais vous la montrer. Donc, on a un motif avec des plumes. Ensuite, des fleurs. Donc, les teintes dans les bleus et roses. Des petits cœurs de fleurs. Alors, il y a des petits détails, hein, c'est très subtil. Ici, j'aime beaucoup la façon tapisserie. Sur cette page, vous avez deux petits cadres là. Et sur le bas, un petit placard avec un nichoir et un oiseau. À l'arrière, un fond façon tapisserie fleurie. Ici, vous avez un petit chat et un oiseau. Et ensuite, une étagère avec des fleurs. De l'autre côté, des textes et des jolies décorations avec des fleurs et des arabesques. Sur celle-ci, il y a un cœur avec une clé, deux cœurs. Et sur ce bout-là, une rose. Oups. Et là, vous avez à l'arrière des petits chats. Très mignons. Dans un cœur. Et de la dentelle. Des rubans. Ici, ce sont des oiseaux. Des branches d'oiseaux. Et toujours chez eux, il y a deux pages d'étiquettes, très jolies étiquettes. Alors, il y a des textes en anglais et des textes en russe parce que c'est russe aussi. Mais vous pouvez cacher les textes si ça ne vous plaît pas ou utiliser l'arrière des papiers. Ils sont vraiment très jolis. Et la deuxième page d'étiquettes. Voilà. Là, vous pouvez cacher, mettre une autre étiquette, par exemple, si vous voulez cacher le texte, ou l'arrière avec les plumes est très joli également. Donc ça, ce sont des blocs de papier qui sont à 8,50 € dans la boutique. Donc c'est leur dernière nouveauté. Ensuite, je voulais vous montrer aussi donc, ce que j'ai reçu. Des petites fleurs de chez Prima Marketing. Alors, ce sont des roses, vous m'avez demandé des toutes petites. Donc voilà, des toutes petites roses. Ensuite, dans la collection Scrap Merveilleux, vous avez des petits badges. Donc ça, c'est le lot gourmandise. Donc il y a deux lots gourmandise. Celui-ci et celui-ci. Et vous avez un lot aussi romantique. Voilà. Ensuite, dans la marque Dovecraft, donc j'ai reçu des embellissements qui sont en bois. Je veux plus ça des chipboards, enfin, ils sont en bois. Vous voyez, vous avez une petite pastille 3D à coller. Donc, des petites bottes. Et dans la même collection, les oiseaux. Il y en a 6 dedans. Ils sont en bois. Et j'ai pris aussi, alors ça c'est dans les 2 € quelque chose, et pareil pour les tampons, la planche de tampons, là elle est dans les 10 €. Vous avez 5 tampons, un bouquet de fleurs, un oiseau, une fleur, un texte et un arrosoir, avec marqué jardin, en français, ça c'est bien. Donc ça c'est pour assortir avec tous les jolis papiers qu'on a sur les plantes et la botanique. Et ensuite j'ai reçu des attaches parisiennes, des brads. Donc des flocons dans les tons, alors comment ils appellent ça, je ne sais plus, c'est pas alu, mais ça a un autre nom. Ils sont en métal et je pense qu'on peut les patiner ou juste les peindre, les ancrer si on ne veut pas les laisser de cette couleur. Ou même mettre du glossy et puis des paillettes dessus pour faire des cœurs de flocons. Enfin moi j'ai ma petite idée pour décorer les flocons avec ça. Ensuite, donc, je sais, c'est pas encore l'hiver, mais bientôt, donc, des petits sapins, aussi en attache parisienne. Donc ça, les brads, vous retrouvez ça dans le rayon d'école.
colle, adhésif. Voilà, je ne les ai pas mis, je crois, dans les embellissements. Ils sont rangés dans les colles. Donc là, ce sont des étoiles couleur pastel. Elles sont très jolies. Et ensuite, mon petit craquage fun, là, ce sont des feuilles d'automne. Alors, voilà, pour Halloween, pour l'automne, ou la carterie d'hiver, ou les albums d'hiver. Je trouve que ces brades sont super jolies. Et je pense qu'ils vont très bien se marier avec les Ciao Bella. Regardez ça. Si, ça va bien aller avec. Donc là, je sais que ça va aller super bien avec. Voilà, donc là, ben pour le coup, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Juste ça, et puis voilà, quoi, petite vidéo rapide. Voilà, des petites nouveautés rafraîchissantes, j'espère. À bientôt !